Alors, elle vient fraîchement de la Seine, elle c'est Pascaline, qui vient de Bukavu à Goma pour le festival Musica na Kipaji. Bonjour Pascaline. Bonjour, très cher. Alors, la toute première fois sur la scène de Goma? Ouais, c'est la toute première fois. Et quelles sont tes impressions, tes ressentis? Ouais, je peux dire quoi, je suis totalement émue, je me sens moi, je suis libre, j'ai la joie quand même avec la scène. De Goma surtout, Musica na Kipaji, pourquoi pas. Le public, il t'a réservé un accueil que tu attendais? Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, mais je suis étonnée, grave étonnée, parce que c'était ouf en fait. J'ai dit merci beaucoup pour ça d'abord. Alors, nous parlons de toi comme artiste slameuse. Quand est-ce que tu découvres les slams et quand est-ce que tu commences à pratiquer les slams? Ça fait au moins 3 ans que j'ai commencé les slams. Et j'avais commencé vraiment, je m'y attendais pas. Du coup, quand je prestais quelque part pour l'éloquence, il y a un jury qui m'avait dit « Mais non, Lina, tu as quelque chose de ouf. Pourquoi ne pas te lancer dans l'islam ou bien la poésie, carrément ?» Et aujourd'hui, déjà quelques œuvres enregistrées ou pas encore? Ouais, aujourd'hui, il y a quelques œuvres enregistrées, d'où 3 en solo et 2 autres en duo. Voilà, et est-ce que s'il y a un message clé que tu véhicules à travers tes slams? Ah ouais, il y a des messages, étant Musica na Kipaji, pourquoi pas. Il y a des messages que je fais circuler au monde entier, qui parlent de l'humanité, qui parlent de les considérations en fait, face aux femmes et tout, puisque la femme doit être vraiment considérée et avoir sa place. Pas sa place pour l'égalité ou la parité avec les hommes, ça non, mais quand même, c'est donné en fait, c'est donné et nous donner aussi la place. Donc, dans ta peau de slameuse, tu te portes ambassadrice pour d'autres femmes qui ne parlent pas assez de ce qui leur revient comme droit? Ouais, carrément. Et même si des fois je ne fais pas des textes vraiment accro aux femmes, mais quand même, ma présentation déjà, ouais, quand je me mets sur scène, c'est déjà quelque chose qui parle aux femmes, qu'elles aussi doivent prendre place à faire des choses pareilles. Merci beaucoup, Pascaline. Tiens, un dernier message pour tous ceux-là qui te découvrent sur Zplus TV. Ouais. Surtout, je peux dire d'abord bienvenue vraiment dans la vie artistique. Parce qu'il y a des parents aussi qui disent que non, ma fille ne peut pas se lancer là-bas parce qu'il y aura des changements négatifs pour lui. Pourtant, ce n'est pas ça. Vraiment, si tu connais ce que tu cherches dans la vie artistique, tu vas carrément t'y focaliser et arriver tout droit au but que tu vises. Alors, j'invite les femmes vraiment, venez, si ce n'est pas dans la vie artistique, et sans peur d'être projetée toute seule, ne compte pas sur quelqu'un, sois juste indépendante et ça va marcher. Merci beaucoup, Pascaline. Merci beaucoup. Maman, si je pars plus à l'église, c'est parce que le regard m'excite, même ceux du prêtre en question. Papa, si je pars plus au bar, c'est parce que ces sugar daddy s'intéressent à mes fesses. Et ma face.